Tu devrais te concentrer sur ta carrière, Benoît violemment taclé par son ex Julie Bertin. Ces derniers mois n'ont pas été des plus simples à vivre pour Benoît Paire. Cette année, le célèbre tennisman a enchaîné les défaites, a reçu de nombreux messages haineux sur les réseaux sociaux. Fait part de sa dépression et s'est définitivement séparé de Julie Bertin, avec qui il était en couple depuis plusieurs mois. La nouvelle a été annoncée au mois de juillet dernier par la candidate de télé-réalité qui, au passage, n'a pas hésité à désinguer son exemple. « Je ne suis sûrement pas une bouffonne, encore moins quand je laisse du temps pour que la personne se reconcentre soi-disant sur son sport. » Mais qu'il préfère envoyer des DM à toutes les meufs et leur donner des rendez-vous en cachette. A-t-elle déclaré en story sur Instagram, laissant entendre un problème d'infidélité. Aujourd'hui, la jeune femme ne cache pas son intention d'aller de l'avant, bien que les dernières actions de Benoît Paire semblent particulièrement l'agacer. Le problème est que je suis complètement folle. Est-ce qu'il faut réfléchir avant de faire certaines choses? Oui. Mais est-ce que là j'ai envie de réfléchir? Non, c'est ce qu'a déclaré Julie Bertin avant de pousser un coup de gueule contre son ex-compagnon. Sur une capture d'écran publiée en story, la jeune femme montre que Benoît Paire tente toujours d'entrer en contact avec ses amis et ce, malgré leur rupture. Parmi ces dernières figurent plusieurs candidates de télé-réalité. Parmi lesquelles Mélanie O'Harel, Emma Catman, Lena Guillou ou encore Melissa Bain. Je ne peux pas être méchante parce que je commence vraiment à avoir de la peine. Mais tu devrais te concentrer sur ta carrière. À défaut de te concentrer sur le CL de mes copines. A écrit Julie Bertin, toujours sur Instagram. À bon entendeur.